Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment masquer des éléments pour gâcher une photographie. Ici une photo de famille, assez souriante, et derrière deux éléments en arrière-plan qui font des grimaces. Voyons la photo après correction. Le résultat est assez satisfaisant. Nous allons commencer par récupérer le fichier source qui s'appelle Dreaming in the Dead South. Je vais supprimer ce calque. Donc, mon image de départ, créer un nouveau calque, en cliquant ici. Je vais renommer correction pour mieux me repérer. Ensuite, je vais récupérer l'outil de sélection. En l'occurrence, l'outil de sélection rapide pour faire grossière sélection sur ces deux éléments. Vraiment grossière. Ça me convient plutôt bien. Je vais me positionner sur mon calque correction et ensuite récupérer mon outil tampon. Raccourci S. Je vais donc prendre les points de repère. Donc, un point de repère pour déjà peindre sur mon calque. Je vais réduire la taille, adapter l'opacité et le flux. Également ainsi que la dureté du pinceau. Je vais rester en mode normal ici. Je vais prendre comme des points de départ. Maintenant la touche Alt, ce point ici entre les deux, qui me permet de voir la bordure et donc effectuer et glisser comme ceci pour avoir un effet très sympathique. C'est quelque chose d'assez fastidieux. Il ne faut pas avoir peur de reprendre les points de départ. On voit que le résultat commence à être assez satisfaisant. Il nous reste encore beaucoup de travail. Après un certain temps passé sur la photo, nous arrivons à ce résultat. On peut désélectionner et voir les parties qui vont nous rester à corriger. Nous avons ici sur le calque donc les corrections qui ont été appliquées. On va toujours reprendre l'outil tampon, réduire la taille et corriger ces petits détails. Donc cela a pris un peu de temps, c'est normal. Le résultat est plutôt bluffant.